mystère existe, notamment cet impalpable que vous avez lorsqu'il vous pénètre, lorsque vous priez, lorsque vous pensez, vous parlez à vous-même. Et la voix que vous avez à l'intérieur de vous-même, la voix que vous allez émettre par rapport aux autres, d'où vient-elle? Comment est-elle là? Comment ça se fabrique? Qu'est-ce qui se passe? C'est le voyage que je vais vous proposer. Et bien l'ADN, pourquoi l'ADN? Pourquoi brutalement je reviens à cette molécule de la vie? Et bien parce qu'au niveau de l'ADN, on s'est aperçu, c'est des recherches qui ont été faites à la fin des années 80, qu'il y a un gène de la voix. Alors, c'est très réducteur. Le spermatozoïde qui va arriver au niveau de l'ovule va permettre la formation du petit homme. Ce petit homme qui est là, qui va naître, lui, va avoir une voix tout de suite. Ou est-ce que c'est grâce à un gène qu'on appelle le FOXP2 qui se trouve sur le chromosome numéro 7? Et ce FOXP2, eh bien oui, c'est le gène de la voix. On s'en est aperçu parce qu'on s'est aperçu qu'il y a une population en Angleterre qui n'avait pas ce gène. Et ils avaient des cordes vocales, ils avaient un larynx, ils avaient tout, mais ils ne pouvaient pas parler. Comme je vous disais tout à l'heure, pour que les cordes vocales soient correctes, il faut qu'il y ait une fermeture, une lubrification et une vibration. Voilà, vous avez tout compris, on a presque fini. Non, j'ai gâché. Vous pouvez faire presque le même. Alors maintenant, la hauteur de la voix. Ben, regardez bien. Plus je suis dans les aigus, plus la corde vocale va s'allonger. Plus je suis dans les graves, plus elle va se raccourcir. L'intensité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le souffle pulmonaire. Le timbre de la voix, j'espère juste qu'on ne trouvera jamais. 7 milliards d'individus sur la planète, 7 milliards de voix différentes. C'est le timbre. Alors on peut dire ce qu'on veut. Oui, mais le timbre, tu comprends, c'est quand ma caisse de résonance est comme ça, pour Pavarotti, pour Del Monaco, pour Caruso, pour M. Hallyday, pour d'autres, peu importe. Peut-être. Mais quand vous avez quelqu'un au téléphone, allô? Tu vas bien? Ah non, non, écoute, j'entends que tu vas pas bien. Ben, juste sur un allô? Ben oui, tu m'as dit allô, bonjour, j'ai entendu. En deux mots, vous avez un ami au téléphone, vous savez qu'il y a un problème. Et vous n'avez pas son regard, je parle du téléphone. Après, on parlera du regard, parce que le regard parle, ça c'est une autre histoire.
fait, c'est-à-dire la beauté d'une voix, c'est notre hologramme émotionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un hologramme? C'est quelque chose que vous ne pouvez pas prendre, que personne ne peut vous prendre. Il est là, vous avez l'impression qu'il est là, mais il est partout à la fois. C'est une vibration d'espace, c'est une vibration du temps. Et la voix est quelquefois en dehors même du temps, puisque ce qui nous manque le plus quand on perd quelqu'un, c'est la voix que l'on n'entend plus. Voilà, merci beaucoup.